Thank you.
Kívánok! Et bonsoir à tous les francophones de la salle. És jó estét kívánok minden franciául beszélőnek. Avant de continuer, j'aimerais vous dire quelques mots sur les suites de Bach. Mielőtt folytatnám, szeretnék önöknek néhány szót szólni Bach szuitjairől. Alors tout d'abord, quand nous disons suite, nous avons tort, car nous devrions dire suite de danse. Amikor azt mondjuk, hogy suite, akkor nem teljesen helyesen mondjuk, mert azt kellene mondani, hogy tánc suite-ek. Car en effet, ces mouvements sont des danses. Mivel ezek a tételek, ezek tánc lépésekre épülnek. Alors tout d'abord l'allemande. Először is van az allemande. Qui est une danse allemande, naturellement. Természetesen egy német tánc. Vient ensuite une courante qui est une danse ou italienne ou française. Ezt követi a courante, ami vagy francia, vagy olasz tánc. Vient ensuite une sarabande qui est le mouvement le plus lent de la suite. C'est une danse à trois temps, très triste. C'est une danse funèbre espagnole. Ezt követi a szaraban, ami a tételek között a leglassabb és egyben a legszomorúbb, egy spanyol temetkezési dal. Et la suite se termine par une gigue. Alors la gigue est une danse irlandaise populaire. És az utolsó tétel az a gigue, ami pedig egy ír népi táncra épül. Et elle s'oppose à la courante. Parce que la courante est une danse beaucoup plus aristocratique, beaucoup plus bourgeoise, qui se dansait dans les salons, alors que la gigue, elle, se danse plutôt avec des bottes. Ez ellentétje a courantnak, ami inkább egy nemesi tánc, ami a nagy tánctermekben táncoltak. Ezzel szemben a gigue, ugye hát ez egy néptánc, amit inkább csizmában táncolnak az írek. Voilà, et je dois aussi vous dire que Bach souvent écrit un prélude pour introduire la suite. Donc le prélude n'est pas une danse, c'est une sorte de grande improvisation organisée. És Bach minden szuitja elé írt egy prelüdöt is, ami felvezeti a tételeket, ami inkább olyan, mint egy szervezett improvizáció.
Voilà. Et j'oublie de vous dire qu'il y a aussi des menuets toujours entre la sarabande et la gigue, qui sont des petites danses françaises. Et ces petites danses ne font pas partie de la suite à proprement parler, mais Bach aime bien glisser ces petits mouvements entre la sarabande et la gigue. J'ai oublié de vous dire que la sarabande et la gigue ont toujours un menuet, qui est un petit français táncokat jelent, és ezzel köti, ez nem része a szvitteknek, de abban nagyon szerette a menüetteket, ezért beleillesztette. Voilà. Alors, comme vous pouvez l'entendre, nous passons par tous les états des humeurs humaines avec ces suites. Tous les sentiments humains sont représentés par un mouvement. Tehát, ahogy látják, majdnem minden tétel, majdnem minden emberi érzelmet kifejez. Et c'est pour ça que ces suites sont tellement importantes pour les violoncellistes et pour les mélomanes en général. Et les suites nous suivent toute notre vie en tant que violoncellistes. Elles sont un peu comme la Bible de tous les violoncellistes. Ezért nagyon fontos minden szólózenész és különösen a csellisták számára a suitek játszása, mert végig követi az összes érzelmi hullámzásukat. Voilà. Alors comme je ne voudrais pas trop parler, je vais continuer et pour donc continuer, je vais vous jouer la troisième suite en do majeur. Nem szeretnék túl sokat beszélni, a következő az a harmadik számú suite C-dur szóló cselló. Et à chaque fois que je joue cette suite, je pense que Bach s'est réveillé de très bonne humeur le jour où il a écrit cette suite. És mindig, amikor ezt a suite-t játszom, akkor azt gondolom, hogy Bach nagyon jó kedvűen kelt fel, amikor ezt a suite-t szerezte. Voilà, vous allez entendre pourquoi, probablement. Meghallják, hogy miért. Thank you.
Thank you.
Alors, je ne peux pas aller plus loin dans ce récital sans vous parler du grand violoncelliste catalan Pablo Casals. Nem szeretném anélkül folytatni az előadásomat, hogy beszéljek önöknek a nagy katalán szerzőről, Pablo Casals. Car nous lui devons d'avoir redécouvert les suites. Mert neki köszönhetjük azt, hogy újra felfedeztük a suiteket. Voilà, en effet, il les a découverts dans un marché aux puces de Barcelone quand il avait 13 ans. Et alors sur la partition, c'était écrit « Étude pour violoncelle ». Ce qui est très trompeur parce qu'en effet, ces suites sont de formidables exercices techniques, mais ce sont avant tout un grand chef-d'œuvre musical. Ami egy kicsit csalóka, hiszen nagy technikailag nagyon nehéz játszani, de mégiscsak azt emelném ki, hogy a megírás is nagyon nehéz volt, nem csak az eljátszás.
Voilà, et c'est peut-être parce que ces suites étaient considérées comme des études qu'elles n'étaient jamais jouées en concert. És talán ezért, mivel tanulmányokként kezelték őket, soha nem játszották őket koncerten. Et donc Pablo Casals est tombé amoureux de ces suites. Pablo Casals szinte szerelembe esett ezekkel a suitekkel. Il a commencé à les jouer en concert. Elkezdte őket koncerten játszani. Avant d'être le premier à les enregistrer au milieu du XXe siècle. És ő volt az első, aki hangfelvételt készített róla a 20. század közepén. Voilà, et depuis ce temps, nous avons des milliers d'enregistrements des suites de Bach. Azóta pedig már több ezer felvétel készült a Bach suitekről. Donc nous devons beaucoup à Pablo Casals dans ce sens qu'il a redécouvert les suites pour violoncelle seul. Tehát sokkal tartozunk Pablo Casalsnak, hogy újra felfedezte nekünk ezeket a darabokat. Alors pour continuer ce récital, je vais vous jouer une suite beaucoup plus sombre que la précédente. Folytatásként egy sokkal sötétebb szintet fogok játszani, mint az előző. Voilà, donc la quatrième suite en mi bémol majeur. A négyes szám, ez szinten. Voilà, merci.
Thank you.